Aujourd'hui, nous allons voir comment stopper le démarchage intempestif sur notre téléphone. Pour ce faire, il y a plusieurs façons. Pour la première, on va se rendre directement dans le gestionnaire d'appels à partir de cette icône. Puis, on va aller dans l'historique de nos appels téléphoniques, ici. On sélectionne ensuite le numéro de téléphone que l'on souhaite bloquer et l'on appuie sur le « i » comme « information ». De là, on peut avoir accès aux différentes informations, mais surtout à plusieurs fonctions, avec notamment la fonction « bloquer ». En la sélectionnant, notre appareil nous propose de bloquer le numéro en nous informant bien que l'on ne recevra plus ces appels ni ces messages SMS. On confirme donc le blocage. Par la suite, nous avons la confirmation que ce numéro est bien bloqué avec l'affichage de cette icône. Bien entendu, nous avons quand même la possibilité de le débloquer par la suite en sélectionnant de nouveau cette option. Pour la deuxième façon, il nous suffit d'ouvrir notre application SMS. Pour ma part, j'utilise celle-ci. En la lançant, on va soit sélectionner un message reçu ou bien en créer un nouveau, puis on va se rendre dans le menu en haut à droite de l'écran et choisir l'option information, et ici on va alors nous proposer la fonction bloquer et signaler comme spam. De là, on a le choix entre seulement bloquer le numéro de téléphone en question ou bien de le bloquer et de le signaler comme spam auprès de Google. On valide en confirmant sur OK. Pour finir, on peut voir que ce numéro est bien bloqué, et comme précédemment, nous avons tout de même la possibilité d'annuler ce blocage si on le souhaite. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.